Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va parler de Lautaro Martinez. Au Barça, c'est parti! Cette vidéo est sponsorisée par Retro Legend Club, c'est un site de vente de maillots tout rétro comme son nom l'indique avec mon code de réduction LP10, c'est que le LP en majuscule, le LP10 tout attaché, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur tout le site et le lien du site est dans la description. Bon, Lautaro Martinez au Barça, c'est un dossier qui fait jaser la planète du football depuis 2 ans maintenant, quasiment en fait depuis qu'il a rejoint l'Inter 6 mois après, déjà c'est parti en vrille. Mais surtout depuis 1 an, depuis le départ en fait de Luis Suarez, le Barça cherchait à le remplacer et ils ne sont pas parvenus finalement. Mais voilà, on sait qu'ils ont beaucoup d'ambition le Barça, surtout au niveau des attaquants cette année, pendant ce mercato d'hiver, pendant ce mercato d'été pardon, 2021. Et 5 pistes sont là pour ça. Daniel Malen, on a Erling Haaland, on a également Memphis Depay, Agüero, mais également Lautaro Martinez. Je vous ai fait une vidéo sur tous ces joueurs-là, et là maintenant on va s'attaquer au dossier de l'Argentin. Voilà, Lautaro Martinez qui va être en fait champion d'Italie avec l'Inter. Il fait une superbe saison donc avec les Nerazzurri. Pas mal de buts inscrits grâce également à son binôme Lukaku. Voilà, il est très très bon et on sait que s'il rejoint le Barça, il serait peut-être encore meilleur. Après ça, on ne peut pas le savoir, mais voilà, avec la paire Messi, avec la connexion Messi, peut-être que ça peut vraiment marcher beaucoup. Surtout que voilà, apparemment, Lautaro Martinez aurait des réponses froides à ses dirigeants et des réponses hésitantes dans le sens où ses dirigeants lui demanderaient « Est-ce que tu veux continuer à l'Inter ?» tout ça. Et Lautaro Martinez répondrait en hésitant. Et comme on sait que le Barça était déjà sur l'Argentin depuis maintenant 2 ans, ben, on se dit « Est-ce qu'il va pas peut-être rejoindre le Barça finalement ?» Et c'est peut-être lui du coup qui va venir au club de la Catalogne et peut-être pas un autre. Du coup voilà, on parlerait d'un contrat de 2 ans. Après, combien il va coûter, ça on ne le sait pas encore, mais ça avoisinerait, je pense, les 70-80 millions d'euros vu sa superbe saison. Après voilà, on sait que le Barça a des dettes, tout ça, donc ça va être peut-être assez compliqué. Mais en tout cas, tout est possible et Lautaro Martinez au Barça, c'est une rumeur crédible selon moi, surtout que des négociations avaient déjà été en cours la saison dernière, au mercato dernier en tout cas, et du coup on peut imaginer qu'il y a encore des contacts et qu'ils discutent encore. Pour les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.